Hello à tous, bienvenue sur la chaîne les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, ça y est, c'est la bascule vers la fin de la semaine. Donc on s'accroche, les amis, à la vie et surtout on repart dans cette vidéo dans les années 90, puisque on va parler de Zelda. Et quand on parle de Zelda, c'est beau, on est bien Tintin et je suis très contente de vous parler de Zelda et plus précisément d'Ocarina of Time, puisque eh bien un projet que j'ai déjà évoqué sur la chaîne a vu le jour hier pour les 25 ans d'Ocarina of Time. On va revenir là-dessus, mais juste avant, justement, je voulais dire un petit mot sur Ocarina of Time, parce que euh, pour moi, c'est l'un des plus grands jeux de tous les temps, c'est l'un de mes jeux de cœur. Vous le savez, hein, Resident Evil et, euh, et Zelda sont des licences de cœur, et c'est vrai que Ocarina, pour moi, c'est euh, le meilleur Zelda de tous les temps. J'ai mis Theoteka à son niveau, je me souviens. Pour mon test, euh, je vous l'avais dit, hein, je vous avais confié. Euh, je pensais pas dire ça un jour, mais c'est vrai que pour moi, TOTK euh, est euh, vraiment incroyable. Et d'ailleurs, c'est celui qui se rapproche le plus pour moi d'Ocarina. En tout cas, j'ai retrouvé énormément d'Ocarina dans, dans TOTK. Et, euh, et c'est vrai qu'Ocarina euh, est l'un pour moi des plus grands jeux de tous les temps. En tout cas, il a marqué euh, l'industrie du jeu vidéo. Il a marqué tant de joueurs et il a marqué ma vie de joueuse. Il est sorti en 98, quelle année d'ailleurs pour les jeux vidéo hein. Je pense que c'est le jeu qui m'a le plus marqué en 98, sans doute avec RE2 qui est sorti la même année. Mais Ocarina of Time a euh, révolutionné. Euh, le jeu vidéo. Il a euh, apporté tellement de choses, tant de jeux s'en sont inspirés, il y a eu un avant, un après. Et on parle beaucoup justement de, de, de cette notion-là dans le jeu vidéo d'inspirer les autres, qu'il y ait un avant, un après, euh, parce que les Game Awards arrivent, et donc forcément, euh, c'est l'une des qualités que doit apporter euh, un jeu de l'année. Euh, Inspirer et euh, qu'il y ait, mine de rien, une petite révolution, que ce soit au niveau du scénario, au niveau du gameplay, au niveau des idées. Euh, au niveau de la narration, il faut qu'il y ait cet avant, cet après. Il faut qu'il y ait quelque chose de très très fort qui aura marqué l'année et qui marquera donc l'industrie durablement. Et au of Time, c'est son cas. Euh, je ne vous livrerai pas mon gautier aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est vrai que, voilà, Théotéka fait partie euh, des nommés, Breath of the Wild euh, a marqué aussi euh, l'industrie. Ce sont des jeux très très forts, c'est une licence très appréciée, et Ocarina of Time, voilà, fait partie euh, de ces jeux qui ont apporté énormément de choses. C'est tellement de souvenirs sur ce jeu, les amis, et je vous en parle souvent, je crois que vous en avez parlé aussi euh, euh, l'année dernière, euh, à la même période, je crois que vous en avez parlé aussi euh, bah, l'année précédente, à chaque fois je reviens chaque année hein, un petit peu sur euh, sur Ocarina of Time et pour les 25 ans. Bah, J'avais envie de, de vous reproposer une vidéo, alors je ne vais pas revenir évidemment sur le jeu, encore une fois, ce n'est pas le but bah, de, cette, de cette vidéo, de ce contenu. Là, je voulais revenir sur effectivement ce projet dont je vous ai parlé il y a quelques jours, il n'y a pas si longtemps, un projet de OneLink. OneLink, c'est un développeur indépendant. Euh, qui est français, et avec qui je suis d'ailleurs en contact, qui est, euh, qui est vraiment quelqu'un d'adorable, mais qui a surtout beaucoup de talent. Il a travaillé quatre mois intenses sur euh, ce projet dont il avait dévoilé le, le teaser il y a une dizaine de jours, me semble-t-il, euh, et il avait euh, promis... Et euh, eh bien, un court métrage dédié à Ocarina of Time sortirait hier pour le 25e anniversaire de Zelda et c'est chose faite. Et donc, je voulais partager avec vous quelques images. Évidemment, je ne vous dévoilerai pas hein, le court métrage sur ma chaîne, c'est pas mon contenu. Je vais vous renvoyer vers la chaîne de OneLink. Hein. Vous allez avoir le lien dans la description de la vidéo, mais je voulais quand même revenir sur ce que ça proposait pour mettre en lumière ce magnifique projet. Je vous lis le message que OneLink a posté justement sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver ce message en épinglé. Après 4 mois intenses, j'ai le plaisir de dévoiler ma dernière vidéo commémorant le 25e anniversaire de Zelda Ocarina of Time. Conçu à l'origine comme un petit projet agréable au cours de l'été pour faire une pause dans les vidéos réalistes que j'ai créées auparavant. Je suis tellement content du résultat final. J'ai tenté de mélanger l'esthétique étonnante que nous voyons dans les productions de Ghibli avec l'univers fantastique de Zelda. Quelles sont vos pensées Seriez-vous intéressé de voir plus de vidéos avec cette direction artistique Aimeriez-vous voir d'autres endroits Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et merci à tous pour votre soutien incroyable. C'est vrai qu'il est vraiment soutenu. Une fois de plus, la vidéo cartonne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça lui a pris donc 4 mois approximativement 600 heures de travail pour pouvoir voilà créer cette Ocarina of Time cross Ghibli donc et c'est vrai qu'à l'heure où euh, on a un film Mario qui a cartonné, où Illumination a fait un super travail, mais où on nous parle aussi d'un Zelda euh, en live action qui fait très très peur, ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Je dirais que euh, c'est euh, le film Zelda dont on rêve en fait, et je trouve que ça colle parfaitement effectivement avec l'univers Ghibli. Donc ici, One Link euh, nous propose de retrouver. Eh bien, l'univers d'Ocarina of Time, on va retrouver Link et Nevi, bien sûr. Hey, listen Mais aussi Ganondorf qui prête serment. D'ailleurs, vous le voyez ici, au roi d'Irul, s'agenouillant devant lui dans le château et tournant subitement son visage vers Link et Zelda qui regarde par la fenêtre. C'est une scène culte d'Ocarina of Time. Tout cela revisité par One Link et de manière très douce. J'ai envie de dire, vous allez voir. Euh, on voit aussi bien sûr d'autres personnages hein, de l'univers du jeu, plus de 30 au total dans ce court métrage, dont l'arbre mojo, par exemple. Mais il y a aussi... Euh, des euh, éléments de l'univers de Ghibli, par exemple les sylvains du monde de Princesse Mononoke. C'est un vrai mélange des deux mondes et des deux esthétiques. Euh, on se retrouve même d'ailleurs euh, totalement plongé dans le monde de Princesse Mononoke à un moment donné euh, dans la forêt. Vous allez voir, c'est magnifique. Et bien sûr, euh, les musiques d'Ocarina. En tout cas, euh, certaines sont au rendez-vous et c'est vraiment très beau, hein, euh, une fois de plus. One euh, Link travaille sous Unreal Engine 5 et vous voyez ce que ça peut offrir comme rendu. Euh, en tout cas, ça laisse entreapercevoir ce qu'on pourrait avoir si Zelda se déclinait en film un peu euh, dans le style de Ghibli. Ben bah oui, comme je disais, quand on nous parle de live action, ça peut faire quand même un petit peu peur. Euh, autant on nous parle de films d'animation, ok, mais live action pour du Zelda. C'est compliqué parce que bah, c'est ce que je disais. En fait, Link, qu'est-ce que tu veux faire Soit tu le fais parler, soit tu le fais pas parler. Mais en live action, un personnage qui ne parle pas, alors il pourrait avoir le verbe rare, tout simplement, mais s'exprimer quand même un petit peu. Euh, il faudrait avoir un rendu bah, beaucoup plus mature, sinon ça collerait pas franchement donc un peu à la Seigneur des Anneaux et à la fois euh, Zelda c'est pas le Seigneur des Anneaux est-ce qu'on a envie de ça donc c'est très compliqué en tout cas euh, voilà Miyamoto euh, est sur le coup mais euh, ça veut pas dire que ce sera euh, à la hauteur de ce qu'on pourrait euh, imaginer ça fait un peu peur en tout cas j'ai envie de dire que quand on voit des projets comme ça ça fait plutôt rêver et je voulais le partager avec vous puisque bah, on en avait parlé euh, voilà quand run Link avait dévoilé son teaser. Donc je vous laisse aller sur sa chaîne pour pouvoir profiter euh, effectivement en bonne et due forme de ce court métrage. Ça dure euh, un peu moins de 20 minutes. Vous me direz en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve que c'est une merveilleuse manière de fêter les 25 ans d'un monument du jeu vidéo. Merci en tout cas d'avoir été avec moi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao